Salut, c'est Marilyn. Bienvenue sur la chaîne du Lifestyle, la chaîne où je parle de mode de vie. Je fais de la décoration, du make-up, du bien-être. Je fais de la cuisine, des vlogs voyage. Enfin, je parle un peu de tout. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et ensuite activer la cloche afin d'être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais de la décoration de salon. Donc, je vais faire les poussières parce que je reviens de voyage et je mets des liens de vidéos de mes vlogs voyage. Et donc, il me faut nettoyer un petit peu. Mais ça ira rapidement parce que ce qui m'intéresse, c'est la décoration. Je vais utiliser des éléments qui sont déjà là parce que je ne vais pas tout mettre de côté ni jeter. Mais on peut redécorer son salon et peut-être ajouter d'autres éléments que j'ai ramenés dans ma valise ou que j'ai acheté en magasin. Enfin, l'essentiel, c'est de ne pas trop dépenser, mais quand même d'avoir un salon qui vous plaise. On va faire un room tour de ce salon. Donc, vous aurez la version avant et la version après. Let's go! Je commence par débarrasser la pièce, c'est plus pratique quand on veut faire un grand nettoyage de sa maison. Je commence ma décoration, donc je place mon plaid sur le canapé.
Alors, j'ai le tapis que je voulais. Je l'ai acheté à Maison du Monde pour, bon, je l'ai eu pour 47 €. Mais c'est exactement ce que je voulais, un tapis beige avec des fils or. Et je voulais pas qu'il soit trop grand ou qu'il y ait un espace bien dégagé autour de la table. Alors ça, j'ai fabriqué, c'est-à-dire que j'ai fait couper un morceau de miroir. Je l'ai décoré avec des strass tout autour. Et derrière, j'ai collé des écrous. J'ai vu un modèle de plateau miroir dans un magasin de déco, mais ça coûtait assez cher. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas fabriquer son propre plateau miroir? Et j'ai trouvé un DIY dessus. J'ai mis des écrous en dessous, donc vous mettez un support pour servir de pied et vous posez dessus vos objets de décoration. Les galettes pour chaises, j'avais décidé de les changer, donc je les ai achetées à Jiffy, 5,99 €, disons 6 €, donc j'en ai pris 6, ça m'a fait à peu près 36 €. Donc comme quoi, on peut trouver des choses intéressantes pour pas cher du tout. Ma petite lampe orientale, que j'appelle ma lampe d'Aladin. Cette nappe, je l'ai trouvée à Jiffy. Je l'ai achetée à la coupe, 12 € le mètre. Je la trouve parfaite pour couvrir la table. Elle est beige et cool et ça convient parfaitement à l'ensemble. J'ai trouvé ce centre de table l'année dernière dans un magasin de déco. Il y a 7 verres pour mettre les bougies. J'ai trouvé que c'est joli et puis j'ai eu envie de remettre sur la table. J'ai dû acheter ça à peu près 47 €, 47 à 50 €. Thank you.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse admirer le résultat final et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!